Yo le bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Gisebook qui réagit à vos rappeurs, rappeuses et artistes préférés où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Léa, merci, merci pour la force, merci pour le soutien que vous donnez depuis hier. J'ai beaucoup d'abonnements et j'ai beaucoup de vues, beaucoup de commentaires aussi. Je vois qu'il y en a encore qui sont beaucoup en appétit sur le clash, sur la réponse de 404 Billy à la diss track de Benjamin Epps. Si vous voulez en savoir bien plus que ça, il y a eu un bon direct hier soir sur la page de XXL Mike. Je vous envoie à rejoindre cette page et à regarder cette analyse bien poussée qui fait étalage de. Qui remonte sur la naissance du beef, tout ce qu'il y a eu et tout ce qu'il y a gagné, ou tout ce que. Voilà, c'est un décryptage et une analyse très très bien fait par le rappeur gabonais XXL Omar qui a invité deux autres personnes à ses côtés. Et c'est vraiment une très 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 belle analyse. Donc, si vous êtes toujours en appétit, n'hésitez pas à aller rejoindre cette page, à vous abonner et à émettre vos petits commentaires, vos suggestions, parce que. Ça va forcément repartir. Le clash va forcément repartir. Et vous avez en exclusivité, toujours sur cette page, et par rapport à ce distract, l'avis du grand frère de Benjamin Epps, qui a mangé aussi, qui a été un dommage collatéral dans le distract de 404 Billy. Pour le moment, on va aller pour cette réaction de Dos Punto en featuring avec SCH sur le titre Poison. Dos Punto, je ne sais pas qui c'est du tout, je ne sais pas s'il rappe ou s'il chante. C'est la première fois que j'entends parler et donc je vais partir sur ça. SCH, femme inconnue du public, grosse star française du rap de Marseille. Merci les gars, merci pour la force. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent. Sur ce, let's go lo. Short et une vidéo qui a été bloquée. Vous pouvez suivre le lien sur la barre communauté pour pouvoir regarder la réaction de Kobalade en featuring avec Zola sur les titres Aller sans retour et de temps en temps. Elle est bloquée bizarrement. Et voilà, si vous voulez regarder cette réaction, appuyez sur le lien, cliquez sur le lien et voilà, ça me dégoûte. Let's go! On a vendu l'amener toute l'année, lourdement condamné. Mon ref a tourné toute l'année, mon ref a tourné toute l'année. Maison Margiela dans le Cayenne. Y'avait du monde quand tu t'allais, y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Wow. J'prends une poursuite, j'fais pas du karting. J'ai du plomb sur moi, j'suis pas carré. De balles 530 pour la transac. J'en vis pas les cartels. Hôtel 4 saisons réservé. Elle a le cul d'un RSQ3. Ce soir j'la laisserai RSV. J'ai rap de décevoir mon père. Nous on est des hommes. Donc on se déplacera si c'est pas à perte. La vie c'est la péter sa tête. Au devant des sommes. C'est 38 et le 9 qui font la peur. J'ai plus peur de la mort depuis que ça veut dire que je rejoindrai ma mère. Pas peur de la prison parce que ça veut dire que je rejoins le M. Si il s'avère que la tra. Franchement, bien, bien, bien le changement de rythme qu'il y a entre la partie chantée et la partie rap. Ils rappent finalement, je pensais qu'ils allaient peut-être chanter. Mais ils font très, très, très bien les deux. Hein. Ils font très bien les deux. Dos Punto, c'est rap. Et chanter, ils sont forts, ils sont bien. Bah, pas ils sont forts, je trouve qu'ils sont bien rentrés dans le son, ils sont bien rentrés dans le clip. Belle Réa avec les plombs derrière, avec l'image un peu sombre, avec SCH qui joue un peu plus le mystique, le mystérieux. Mais on connaît déjà qui c'est. On connaît déjà qui c'est. Mais bien, bien, belle entrée de Dos Punto sur ce son-là, bien. La prison parce que ça veut dire que je rejoins le M. S'il s'avère que la trahison nous laisse un goût amer. Tôt ou tard faut qu'on règle ça. J'sais plus trop qui sont mes frères. À qui la faute? Quand on se croise à la lime, tu me regardes comme si j'étais déçu. Donc à compter les têtes, mettre en bocaux. Hier j'ai mis les gants, la cagoule j'ai chargé les cieux. On a vendu l'amener toute l'année. Lourdement condamné. Mon ref a tourné toute l'année. Mon ref a tourné toute l'année.
Maison Margiela dans le Cayenne. Y'avait du monde quand tu t'allais. Y'a plus personne quand. C'est réel, hein. Y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Gars, apprenez à. Pas à vous faire tout seul, tu vois, parce que personne ne peut se faire tout seul. On a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin d'avoir quelqu'un de confiance, tu vois. Mais le problème avec la génération de maintenant, c'est qu'elle pense que tout le monde est son ami, tout le monde est son ami de confiance. Les gars, il y a des gens qui sont avec vous que lorsque vous avez du succès, lorsque vous avez de l'argent, lorsque vous avez notamment quelque chose à leur apporter, tu vois. Mais à partir du moment où tout ça s'arrête, la gloire, le succès, l'argent, tout ce que vous pouvez leur apporter, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan sentimental, financier ou matériel, là, tu vois qu'il n'y a plus personne autour de toi, tu vois. Il n'y a plus personne autour de toi. Donc, entourez-vous des gens parce que vous avez besoin de ça forcément pour pouvoir aller quelque part. Personne ne se fait tout seul. Mais entourez-vous de bonnes personnes à qui vous pouvez faire confiance et qui vous savez que peu importe les situations dans lesquelles vous serez ou vous vous retrouverez, ils seront toujours à vos côtés, les gars. Parce qu'un jour, tout s'arrête. Hein. Un jour, tout s'arrête. La vie est faite comme ça. Un jour, tout s'arrête. Je crois qu'on est tombé sur la tête. On a goûté le poisson et tout n'est qu'illusion. Des mots sont restés dans ma tête. Échouer, se relever, je connais la chanson. Je connais la chanson. Je connais la chanson. Le savoir est un gain. Et je suis pas la tendance. Je connais la chanson. Le savoir est un clic. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Cultivons-nous, les gars. Cultivons-nous. Cultivons-nous. Dans tous les domaines, c'est... Regarde, on est en 2024, hein. On est en 2024, et je ne sais pas comment ont été vos années précédentes, quelles ont été vos résolutions pour les années précédentes, mais cette année, les gars, va falloir aller au charbon. Va falloir aller au charbon, sans parler, sans rien. Et pour aller au charbon, il faut se cultiver. Il faut se cultiver, parce que le savoir est une âme. Apprenez des compétences, apprenez quelque chose, faites quelque chose de vos vies, Seigneur. Vous pouvez être en train de glander sur votre canapé et gagner de l'argent, les gars. Avec un téléphone portable. Le savoir est une arme. Le savoir l'est. Je connais leur façon de jouer avec les gens. Je vois le vrai dans leurs mensonges. Les yeux rivés sur l'horloge. La majeure partie de ma vie. Mais je vais me barrer d'ici. Ces billets me consolent. Mais ma revanche en prêt. Ma revanche. Et le ciel me rendra pas ce qui m'a pris. Je veux pas que tu me renvoies l'ascenseur. Plus je connais l'homme, moi j'en attends de lui. La poisse c'est un prétexte pour ceux qui perdent. La foi c'est une armure pour ceux qui luttent. La rue c'est un... La poisse c'est un prétexte pour ceux qui perdent. La foi c'est une armure. Je sais pas pourquoi, pour ceux qui persévèrent. Grave. 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 Ceux qui t'aiment. On a vendu l'âme toute l'année. Lourdement condamné. Mon ref a tourné toute l'année. Mon ref a tourné toute l'année. Maison Margiela dans le Cayenne. Y'avait du monde quand tu t'allais. Y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Y'a plus personne quand tu t'arrêtes. Je crois qu'on est tombé sur la tête. On a goûté le poisson et tout n'est qu'illusion. Des mots sont restés dans ma tête. Échouer se relever, je connais la chanson. Je connais la chanson. Le clip, il est beau, franchement, il est beau. Je trouve que le rap est fait à faire de plus en plus de beaux clips. Hein. De plus en plus de beaux clips. C'est plus trop des trucs où on est dans la cité, où on est derrière avec tout le monde, derrière, tu vois. Il y a une idée derrière, il y a un script, il y a une image. Ils sont en train de nous vendre quelque chose de bien mieux que des années précédentes, tu vois. Donc, belle réa de ce son-là. Et ensuite, s'agissant de Dos Puntos, je les découvre. Ils chantent très bien, mais dans ce clip, je pense pas qu'ils ont montré tout ce qu'ils pouvaient donner. On peut aussi le poser sur SCH, qui n'a pas vraiment forcé. C'est comme s'il était plus là pour mettre en lumière Dos Puntos. Et c'est bien, on veut plus d'artistes comme ça qui mettent en lumière des gens. Quelques belles phases. Les textes sont bien écrits aussi, mais...
ça te laisse un appétit, tu vois. C'est pas un son que voilà, tu vas forcément vouloir écouter tout le temps parce que voilà, ça, il n'y a pas assez de contenant dans le contenu. Il n'y a pas assez de contenu dans le contenant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Ça veut dire que le clip, il est là. L'arrière, elle est là. Le son, le beat, il est là. Les textes, par contre, sont un peu moins. Ça te tient moins en appétit, mais je ne pense pas que c'est ce qu'il voulait mettre en avant. Donc, voilà. Bien, bien joué de la part de SCH de mettre ces deux gars en lumière sur ce son-là. Je ne sais pas d'où ils sont, de Paris ou de Marseille. Mais bien joué de la part de SCH. Quelques rimes tranchantes, quelques phrases. Bien quoi. Les gars, j'espère que vous avez aimé cette réaction. Merci pour la force et le soutien que vous donnez. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. On est toujours sur le format cam, donc il y a des sons qui arrivent. Les gars, merci. Merci le clan.